C'est la rentrée avec Voyage Antillais. Profitez de nos promos exclusives à 521 euros vers la Guadeloupe et la Martinique. Oui, vous avez bien entendu, 521 euros pour partir au mois d'octobre ou novembre vers la Guadeloupe et la Martinique. Et en plus, vous bénéficiez de 46 kilos en soute et de toutes les facilités de paiement pour seulement 521 euros. Nombre de places limitées, alors n'attendez plus et rendez-vous dans nos agences de Paris et de Saint-Denis ou sur notre site internet voyageantillais.com. 521 euros, les vacances qui continuent avec Voyage Antillais. Voyage Antillais, nous là pour faire de voyager. Mike, tu es vraiment l'homme qu'il faut ici à Paris, parce que mélanger le gros cas et le bel air, ça il faut le faire, et il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont fait, et c'est toi, disons l'organisateur, le patron. Alors c'est un rendez-vous qu'on a mis en place depuis 15 ans maintenant, donc ce festival Bel Air Gros Cas, donc qui a pris naissance hein, sur les bords de la ville de Sarcelles. Je voudrais aussi, par la même occasion, saluer la mémoire de Jean-Pierre Passy-Cotré, avec qui j'avais pris un pari à l'époque, puisqu'il m'avait dit « Festival Bel Air Gros Cas, tu ne sauras pas faire parce que tu n'es pas du milieu, tu n'es pas de la tradition, tu es issu ni de la mouvance Gros Cas, ni de la mouvance Bel Air. » Et quand on me lance des défis comme ça, ben, j'aime bien les relever. Et pour la première édition, on avait 1500 personnes à l'intérieur, 1000 à l'extérieur. C'était vraiment un très, très grand rendez-vous. Alors, on a fait 11 éditions à Sarcelles et venu ensuite, José, donc la crise sanitaire. Donc, 2021-2022, on n'en a pas eu. Et puis, en 2023, on a eu une belle édition sur Goussainville avec l'association Force des Îles. Je voudrais aussi saluer mon ami Daniel Roch. Et puis, pour la 13e, on s'était dit... Ben pourquoi pas amener ça sur une autre scène, trouver donc un autre cadre plus idyllique. Et on a travaillé avec la mairie donc d'Épinay, avec l'association AMC, profité pour saluer mon ami Saïd. Et voilà, aujourd'hui nous sommes là avec ce beau public, avec toutes ces personnes qui sont venues communier et surtout partager nos musiques, nos traditions, notre culture, qu'elle soit de Guadeloupe avec le Gros Cas ou encore de Martinique avec le Bel Air. L'essentiel, c'est qu'on se retrouve tous ensemble pour partager et vivre quelque chose de fort et incommun.
Les gens sont passionnés parce que pour se déplacer autant, c'est parce qu'on est passionné et on veut aussi garder la tradition ici à Paris. Et heureusement, vous êtes là, Mike. Alors, moi, j'essaie de faire, j'amène un petit peu ma pierre à l'édifice. Alors, je voudrais juste dire que je suis originaire donc, de Sainte-Marie, une terre de Belay, une terre de tradition. Alors, je te rassure, je sais ni danser le Belay, mais j'apprends, ni chanter le Belay, mais j'apprends aussi. Et puis, j'ai beaucoup d'amis. Alors, je voudrais profiter aussi pour rendre hommage à François Ladrézo, qui est mon ami, mon frère de cœur, qui m'a dit « Mike, il faut absolument remonter ce rendez-vous ». Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés en 2023 à le travailler et à le remettre sur scène. Voilà, donc j'ai des personnes qui m'aident, qui m'entourent, qui m'encouragent. Remercier, on l'a dit, François Ladrézo, Jean-Pierre Coquerel, avec qui j'avais jamais vraiment grandement collaboré, mais c'est devenu aussi un frère de misère. Et puis cette année, on a voulu faire honneur à un grand monsieur, monsieur Yvon Nzala, qui est un monument de la musique antillaise et de la musique traditionnelle. Et puis chez nous, on a souvent on attend des fois que les gens partent pour leur dire qu'ils sont forts, qu'ils sont bons, qu'ils sont extraordinaires, qu'ils ont fait de belles choses. Et je veux aussi de leur vivant qu'on puisse leur rendre hommage. Et ce sera donc ce qui sera réservé à Yvon Nzala tout à l'heure. On peut prendre date aussi pour 2025 déjà, il y aura le rendez-vous sera respecté. Alors, il y aura bien sûr un rendez-vous en 2025. Alors, je voudrais aussi dire qu'en 2000, là, dans quelques jours, on aura un grand Zouk Souvenir qui se fera ici, donc à l'espace Lumière. C'est une date qui se baladait dans le calendrier et la mairie d'Épinay m'a demandé donc, d'organiser quelque chose de fort. Et on a programmé donc, un grand Zouk Souvenir après le succès donc, de Stein. Ben, on sera ici le 23 novembre, 20h, avec 12 artistes de renom et de talent sur la grande scène. Thank you.
François Ladrézo, quel rendez-vous? Rendez-vous traditionnel que vous respectez, vous y êtes chaque année quasiment. Eh bien, j'y suis chaque année, j'honore ce moment et je suis très content d'être sollicité parce que pour moi, véhiculer la tradition, la culture, la musique guadeloupéenne et de côtoyer aussi les musiciens martiniquains, pour moi, c'est vraiment un honneur et j'en sors toujours grandi à chaque fois que je viens ici. À Kiyo, vous êtes l'un des patrons, l'un des créateurs du groupe. Non, je ne suis pas l'un des fondateurs, je suis arrivé après, mais mon cher ami Jean-Pierre Coquerel et moi-même, nous sommes les deux leaders vocaux d'Akiyo et nous sommes un peu les piliers aussi, les acteurs culturels du mouvement. Donc nous avons la chance d'être, comme tu dis, les patrons du groupe musical sur la scène et par le biais de nos voix, l'univers nous a donné des voix et par le biais de ces voix, nous véhiculons les messages de la Guadeloupe pour pouvoir émanciper le peuple noir. Dernière question, que pensez-vous de ce rendez-vous, justement, la musique traditionnelle qui se retrouve entre la Guadeloupe et la Martinique, et la Martinique et la Guadeloupe réunies? Mais comme tu l'as dit avant, tu l'as dit même poil, mais nous n'avons pas dit ça encore, nous l'as dit même tête, même l'esprit, parce que nous allons en face de déconstruction à présent, et nous voulons que peuple nous prenne conscience qu'il faut nous déconstruire des bitins, il faut nous ensemble. Et le message final là que dit, c'est yon à l'autre, yon pour l'autre, yon vers l'autre, pour nous arrêter de prendre calotte à les autres. Est-ce que nous libérer?
décédés, ce ne serait pas normal que de Saint Prix ne soit pas là. Bel bonsoir. Je suis très content d'être là et c'est tout à fait normal que je sois là. Et même si je n'étais pas invité en tant que musicien, je serais dans la salle comme avec le public. Dédé, homme de la musique traditionnelle, que penses-tu de ce rendez-vous? Je pense que ce rendez-vous, il doit être pérenne, donc il doit être sponsorisé par toutes les instances. C'est une date nationale. Dédé, c'est toujours le va-et-vient entre la Martinique et Paris, ou Guadeloupe, Martinique, Paris? Les voyages, c'est tout le temps, c'est ma vie qui est comme ça. Maintenant, il y a l'Espagne qui s'est rajoutée, mais bon, voilà, c'est ma vie. Dédé n'a même plus besoin de sortir le disque. Hein. Dédé Saint-Prix, c'est comme Cassav, quoi. Je sors le disque et j'ai le double album qui vient de sortir là en physique. Et j'ai plein d'albums dans mes tiroirs encore. Donc voilà. Un message particulier pour nos téléspectateurs de l'outre-mer, les ultramarins? Un message particulier pour les spectateurs, téléspectateurs de l'outre-mer. Il est arrivé un moment où on doit se réveiller. Même si les fruits de l'arbre ne sont pas mûrs en même temps, il ne faut pas critiquer ceux qui sont mûrs. Et les mûrs ne doivent pas critiquer ceux qui sont avantés ou bien qui ne sont pas encore. Voilà, on doit s'accepter. Même dans l'adversité, on doit s'accepter pour avancer. L'unité dans l'adversité. Donc, j'envoie un bonjour particulier pour l'équipe de M. Le R. Prac, j'envoie un gros dossier, un gros chéberet pour tout ce monde-là. Parce que c'est un mouvement légitime. Et à tous ceux qui vont se réveiller, nous sommes sur la bonne voie. Il ne faut pas lâcher. Et puis j'ai une pensée particulière pour un ami disparu, enfin qu'on n'a pas encore trouvé. Monsieur, c'est un ami martiniquais, le Tur. On ne l'a pas encore retrouvé. Il est porté disparu. Donc Olivier, j'envoie la force pour Olivier, pour sa famille. Et puis je dis à tout le monde, en nous chaîne Bered, nous dans mon éthique, si on pas vertical, bah arrivé, donc en nous chaîne nous doit, même si nous différents. Anzala, c'est normal que tu sois là pour ce rendez-vous. Eh bien oui, yo m'a dit moi, yo contracté moi, j'étais obligé d'être là, donc j'étais comme ça, je ne vais pas venir. Ouais. Anzala, qu'est-ce que tu deviens? Quelles sont les nouvelles? Eh bien, quand ça se moins bien, par les autres, quand tu crois bon, en Dubout, quand tu dis grâce à Dieu, en Dubout, bien merci. Au Chapoula, m'a dit Guadeloupe. Au Chapoula, m'a dit Guadeloupe, moi, nous sommes Guadeloupéens quand même. Oui. Ouais. Alors, comment c'est des rendez-vous là, ça? Eh bien, rendez-vous là, ça m'a dit, c'est moi qui organise, il est vraiment solide parce que pour sembler tout ça, c'est vraiment un grand travail qui fait même. Eh bien, je suis bien content pour ce moment. Un grand bravo pour l'organisateur là. C'est l'organisateur qui organise ce soir là, ça, pour assembler tout ça, monde, parce que la première fois, on voit tout ça, mon dans spectacle. Bon, nous, il faut donner nous un petit morceau, hein, un morceau qui marche fort. Eh bien, un morceau qui marche fort, c'est. Et on dit femme qui moins aimé, on dit femme qui moins content, on dit femme qui moins tenu, les amis félicitent moi, on dit encore dit, et aïe ma fille, tu ma vie couillonne moi, tu vis là couillonne moi, tu vis là pas moi tiens bé roche, eh bien, femme là pas aimé, femme là vie pas vrai, femme là t'ignore d'autres noms, car toujours derrière lui comme ça,
Enfin, tout morceau, tout marchait bien. Oui, maman, Guadeloupe, hola, hola. Peuple, nous la, Boudiota. Jean-Pierre Coquerel aussi est avec nous, l'une des voix d'Akio. N'est-ce pas, Jean-Pierre? Ben ouais, c'est comme toutes les années. C'est quelque chose que. Enfin, toutes les années, je suis là, Mike. On a le même projet, ne pas laisser tomber la culture tomber. Et puis, je lui ai dit, bon, de tout cœur, je serai là avec lui, quoi. Jean-Pierre, vous pouvez nous un petit acapella de Akio? En quoi? Un petit acapella de Akio. Moi, te gevle chanter, moi, te gevle prier, moi, te gevle aider maman, ça qui l'a gabon faire. Ah, sacré Akio en tout cas, hein. Vous avez réveillé le monde, Guadeloupe. Non, même pas. On n'a même pas réveillé le monde. Tu sais, quelque chose qu'on doit toujours garder en mémoire, se dire, c'est que vérité nous a fait mal. Tout ce qu'on nous a chanté, c'est ça qui arrive à nous. Hein. Ah ouais, tout est en place pour que. Il faut dire la vérité, quoi. Jean-Pierre, une dernière question. Que pensez-vous de ce rendez-vous traditionnel ici à Paris? Entre le Gourka et le Bel Air. Non, mais c'est-à-dire, mais on fait le jumelage ici. C'est ce que je disais à Mike. Je dis à Mike, il faut garder ça d'une manière que pour que ce soit toujours d'actu. Je ne sais pas, peut-être un jour aussi, il va falloir le faire aussi en Martinique ou bien en Guadeloupe. Mais ce qu'il fait là, parce que Bel Air là, il ne faut pas nous perdre. Le Gourka, bon, mais pour l'instant, ça va, mais Bel Air là. Il y a des gens habités parce que Martinique, même, il y avait joué un tambour traditionnel. Voilà quoi. O News Radio sur outremernews.fr.